la petite vieille de notre radio locale, dans ses appels était très matinale. Elle vivait avec son téléphone, car autour d'elle il n'y avait personne. Pas autrement, nous ne la connaissions, mais entre nous, on lui donnait un nom. Mémé matin, mémé chagrin, mémé midi, mémé souci, mémé le soir. Pour elle, c'était un peu d'espoir de retrouver des sourires qu'elle avait oubliés. Mémé matin, mémé midi, nous ses amis, mémé le soir. Pour nous tous, c'était la joie d'avoir mis dans son cœur l'illusion d'un semblant de bonheur, toujours présent, fidèle à nos antennes, pour exprimer ses joies, surtout ses peines. On ajouta encore à sa détresse en annonçant qu'il fallait que l'on cesse. Aux auditeurs pleurant sa déception, elle plaidait notre situation. Mémé matin, allons, vous tous, vous n'allez pas laisser faire ça. On l'aimait bien, on ne va pas me séparer d'eux. Mémé midi, ces garçons, ces filles avec leur radio, nous, ses amis. Mais pour moi, c'est toute ma famille. Mémé le soir, quand je pouvais bavarder un peu avec eux. Pour nous tous, c'était la joie. C'était la joie, oui, la joie. Mille dans son cœur, qui mettait dans mon cœur l'illusion d'un semblant de bonheur. Mémé matin, allons, faites quelque chose, je vous en prie. Mémé, ne me renvoyez pas à la solitude. Mémé midi, c'est le pire de tout.